Une exposition rend hommage à Jacqueline Delubac. La comédienne disparue en 1997 était aussi une grande collectionneuse et elle a légué au musée des Beaux-Arts de Lyon, sa ville de naissance, 38 chefs-d'œuvre signés Picasso, Braque, Léger, Miro ou Rodin. Alors la particularité de la collection Jacqueline Delubac, c'est qu'elle est composée non pas d'une collection mais de deux collections, puisqu'elle-même avait hérité de la collection d'impressionnistes et de post-impressionnistes qui avait appartenu à son second mari, Miran et Knaillan. Et elle collectionnait plutôt la peinture moderne, voire contemporaine, des artistes encore vivants comme Dubuffet, Fautrier ou Bacon. Et donc les deux collections sont arrivées au musée des Beaux-Arts de Lyon et ils complètent merveilleusement la collection 19e du musée et du 20e. Des animations avec des artistes sont aussi prévues dans le cadre de cette exposition pour évoquer Jacqueline Delubac dans son intérieur parisien. J'ai souhaité reconstituer, ou du moins évoquer, le luxe, la somptuosité de son appartement parisien en respectant l'accrochage qu'elle-même avait imaginé dans ses espaces. Une exposition à découvrir jusqu'au 16 février au musée des Beaux-Arts de Lyon, avec des visites nocturnes tous les premiers vendredis du mois.